Bonsoir et bienvenue à Si Bien-être. Bienvenue au nouveau et je remercie les anciens d'être là. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aloe vera. Elle est issue d'une plante qu'on ne présente plus. Elle a plusieurs vertus médicinales et thérapeutiques qui sont reconnues et appréciées à travers le monde. Parmi la longue liste des soins qu'il procure, ses propriétés aphrodisiaques, ah oui monsieur, il figure une bonne position au même titre que l'agrandissement pénien. Dans notre préparation, nous allons utiliser de l'aloe vera pour faire un jus d'étorse. Un jus d'étorse qui va permettre de résoudre de multiples problèmes. C'est une plante aux mille vertus qui peut aider les femmes à atteindre l'orgasme, ce jus-là, si elles en consomment. Oui, pour les parties intimes. On peut utiliser également ce jus pour faire sa toilette intime et surtout la sève d'aloe vera. Plusieurs l'utilisent pour hydrater leur peau. Lorsque vous avez des cicatrices qui guérissent à peine, vous pouvez appliquer le jus d'aloe vera. Et pour ces femmes qui ont des problèmes de chute de cheveux, ils peuvent utiliser la sève d'aloe vera. L'appliquer, le mélanger avec des œufs ou avec de l'huile d'olive et appliquer dans le cuir chevelure afin que la racine de votre cheveu retrouve son aspect naturel. Le jus d'aloe vera. Même s'il cumule des bienfaits santé, le jus d'aloe vera a un point faible, son goût amer. C'est pourquoi il est conseillé de le consommer en mélangeant des jus de fruits frais. Et pour ceux qui supportent l'amertume, ils peuvent le consommer ainsi, pardon. Cependant, d'autres l'utilisent mélangé au miel. Le jus d'aloe vera est bon pour la peau. Il a des propriétés purifiantes. Le jus d'aloe vera permet de détoxifier l'organisme. En effet, consommé en cuir, ce jus d'aloe vera hydrate et assainit votre peau. Oui, la sève d'aloe vera que vous voyez. On la présente ainsi. La sève d'aloe vera est généralement utilisée pour faire des massages péniens. À plusieurs reprises, plusieurs personnes font des massages péniens afin que la longueur du pénis retrouve sa grosseur et son élasticité. Le jus d'aloe vera permet de lutter contre l'inconfort digestif. Oui, mes chéris, lorsque vous avez des douleurs de gastrique, vous pouvez consommer ce jus-là. Pour vos soins de peau, vous pouvez en fabriquer des crèmes que vous pouvez appliquer sur votre peau 2 fois la semaine et retrouver un état rajeunissant. Cela va vous permettre de retrouver votre sourire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de partager tout autour de vous. C'était Esti Bien-être, notre chaîne de conseils et de bien-être. Passez une agréable soirée. Ciao, ciao!